Yo les amis, bien content de vous retrouver pour cette nouvelle rubrique Balance ta reprise. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un classique des années 90 avec Where Did You Sleep Last Night, qui se retrouve sur l'album MTV Unplugged de Nirvana. Cet album sort le 1er novembre 1994, il est enregistré le 18 novembre 1993 et sa date de sortie correspond plus ou moins à 7 mois après la mort de Kurt Cobain. Where Did You Sleep Last Night? C'est la dernière piste de ce concert. Premier concert qui sort donc à titre posthume après la mort du leader de Nirvana. C'est un classique de la musique folk américaine, et on connaît ce morceau sous plusieurs noms. Where Did You Sleep Last Night, effectivement, pour la version de Nirvana, ou encore In The Pin, ou encore Black Girl. On ne connaît pas vraiment l'auteur de ce morceau, on sait juste qu'il a été écrit entre 1870 et 1880. Le premier enregistrement de cette chanson date de 1917. On comptabilise à l'heure actuelle à peu près plus de 160 reprise de ce morceau à travers le monde et dans des styles aussi variés que différents. La version de l'Unplugged de Nirvana est une reprise du bluesman Led Billy, Black Girl. Ce qui va vraiment ancrer cette chanson dans les années 90, c'est que 2 ans après la sortie de l'Unplugged in New York, Gérard Jugnot, oui, ce Gérard Jugnot-là, va être mandaté par une célèbre marque de barres chocolatées, vous savez, celle qui nous fait repartir, pour réaliser un spot publicitaire. Il se servira d'une version de Where Did You Sleep Last Night comme BO pour le spot publicitaire. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On a plein d'histoires de reprises à vous raconter. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis tchuss et je vous dis à la prochaine.